I said for so long that I built a home. They tap at the windows and think they were bones. Lay hands on the bricks and I'd sweat from inside. I could feel it. Quelle surprise! Je savais pas que t'étais la reine du crime, Miss Caulfield. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Pourquoi rien n'est jamais simple? Comment on va faire pour passer? C'est trop tôt pour désespérer. Laisse-moi regarder. Ah oui. Trop facile. T'es sûr de ton coup? Carrément. Attends. Lâche tout! C'est une véritable descente aux enfers. Je suis tellement contente que tu m'aies parlé de cet endroit. C'est incroyable. C'est une façon de voir les choses. Une de mes amies de licence était complètement obsédée par ce bâtiment. Mais elle n'y est jamais entrée. Clairement, elle n'était pas aussi cinglée que toi. L'urbex, c'est un peu ma passion. Je peux pas m'empêcher de voir une vieille bâtisse déglinguée sans y entrer. Qu'est-ce qui t'attire dans ces endroits vides? Oh, je sais pas. Les bâtiments abandonnés ont un potentiel infini. Enfin, je trouve. Rien qu'en y entrant, je peux leur donner une nouvelle vie. Allez, on va au pub. Ça ferait une belle photo. Oh, attends, je vais un peu... Non! Quoi? J'évite de déranger les lieux autant que possible. Je veux que ça reste exactement comme si personne n'y avait touché. Compris, pas touché. Est-ce que je peux quand même me rendre utile? Ne bouge pas et sois jolie. Je suis née pour ça.
Et qu'est-ce qu'on cherche, précisément? À part photographier des déchets. Pour la plupart de mes shootings, j'essaie de trouver un détail qui sera un point d'ancrage pour toute la série. Je le saurai quand je le verrai. Un élément solitaire. Le plus solitaire qu'on puisse trouver. Compris, chef. Ouh, évite d'inspirer trop fort. Non, mais on dirait que tout est composé d'amiante ici. Je suis contente que sa fille s'amuse. Ça m'aurait embêté de m'introduire ici avec un public blasé. On dirait presque un visage. T'as dit qu'il datait de quand, cet endroit, déjà? Je crois qu'il a été bâti dans les années 60, mais ça fait à peine 10 ans qu'il a fermé. Sérieux? Il a l'air abandonné depuis, je sais pas, au moins 50 ans. Peut-être que plus c'est kitsch, plus ça s'abîme vite. Bah, à ce moment-là, ta veste devrait pas être en train de tomber en ruine. T'es dure! C'est de la haute couture. Gloire à Satan. Quelle audace! Prête à jurer fidélité au prince des menteurs? On sait jamais ce qui peut traîner. Des trucs bien pires que des têtes de chèvre, c'est sûr. Je dirais pas le contraire. Pour ma part, j'ai vu pas mal de choses. La vache, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Une machine qui vous ramène tout au début. Voyez-vous ça? Il était chelou. La nive était folle. Peut-être que si je l'ignore, rien ne va en sortir. Ça fait des années que j'arrive plus à rembobiner, mais les habitudes ont la vie dure. Wow! Ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne. Il y a des photos? Ouais. Le vieux site web est toujours en ligne. Je me demande qui paie les frais d'hébergement. Quelqu'un qui aime le kitsch. Et la poussière. Est-ce que t'as enfin trouvé ton point d'ancrage ? Pas encore, mais je le saurai quand je le verrai.
Qu'est-ce qui te fait sourire? Non, rien. Ce serait dommage. C'est pas parce que c'est inutile que ça vaut pas la peine d'être préservé. Ouah, tu connais ma mère. Elle est pas du genre charitable. Cette personne a dû penser que les lieux valaient la peine d'être préservés au moment où ils les ont fermés. Je croyais que tu dérangeais jamais les lieux. Dommage. Ça devait être magnifique quand ça renvoyait la lumière. Wouah ! C'est ça, hein ? Hmm ? C'est la pièce centrale que tu cherchais, non ? L'élément le plus solitaire ou un truc comme ça. Il a été créé pour impressionner. Et plus personne ne le regarde. Jusqu'à maintenant. Ouais, si on veut. L'angle de vue me plaît pas des masses, par contre. Là-haut. Tu peux m'aider à monter? Chef, oui, chef. Si on se prend le toit d'un bowling sur la tête, mais qu'il n'y a aucun témoin. Est-ce qu'on peut quand même toucher l'assurance? Encore un mystère. Je t'avais bien dit qu'on était en enfer. Regarde, un démon. Oh, il est mignon. On dirait presque un M&M sans solde. Ah ouais? Moi je trouve qu'il ressemble à une cacahuète défoncée. Et je déteste ça. On pourrait peut-être trouver un moyen de le sortir d'ici. Quoi? Tu veux dire le voler? On peut pas voler un objet abandonné. Je suis pas sûre que ça tienne devant un juge. Bon. De toute façon, il est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le sortir d'ici toutes les deux. Je parie que c'est les One Half Full Big Lighter qui ont gagné. Oh non, j'arrive 9 ans trop tard pour ma part de pizza gratuite. Je vois bien l'idée. Parfois, j'ai l'impression de me faire manger le cerveau à la petite cuillère. Admire la partie du bowling que tout le monde déteste. À vendre, chaussures de bowling, très usées. Des chaussures?
C'est solitaire, ça? Sans pied dedans? Carrément. D'ailleurs, c'était le sujet de la première photo prise par moi que ta mère a vue. Mon Dieu. L'artiste résidente de cette année à Calédone a envoyé des photos de pieds à ma mère. Peut-être que tu ne sais pas tout sur ta chère maman. Ouf, je vais vomir. C'était une photo d'un placard en pagaille dans une maison condamnée. Quelqu'un y avait laissé toutes ses chaussures. Ta mère avait adoré. C'est plutôt hypocrite de sa part quand on sait qu'elle détestait voir mon placard en pagaille. On dirait que quelqu'un s'en est servi pour contourner les escaliers. Non merci, je tiens à mes chevilles. Ça va? Putain! Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça aurait pu être pire. Voilà pourquoi il te faut une assistante. Au cas où on aurait besoin d'appeler une ambulance si tu tombais sur le cul. Allez, va prendre ta photo. Je vais te trouver un moyen de descendre. Paré à mitrailler, je vais chercher ma photo. Dis-moi, est-ce que t'es bonne en parcours? Y a pas d'autres possibilités? D'autres? Ouais! Des mieux! Je continue de chercher. Rien n'interdit à un cheval de manège de faire du bowling. Ces nains de jardin qui fument de la beuh font toute la cohésion de cet endroit. Si tu voulais mon numéro, il suffisait de me le demander. C'est flippant de me suivre comme ça partout. Bah dis donc, c'est pas très cool d'avoir laissé traîner tout ça comme ça. C'est le deuxième plus gros singe DJ que j'ai jamais vu. Je me demande comment c'est l'intérieur d'une boule de bowling. En fait, ça contient une autre boule de bowling. Je me demande si la salle d'anniversaire faisait moins peur durant son âge d'or. Voilà, c'est ça l'angle que je cherche. Waouh! Mon échelle est avancée! C'est pour les bourges ici! S'il te plaît, n'oublie pas le pourboire pour l'échelle. T'as pu prendre ta photo? Alors quittons vite ce cercueil! Dépêche-toi! Je meurs de faim!
Toute cette solitude me donne envie d'un sandwich. Oh. Jolie sortie. Regarde un peu, elle est parfaite. Ouh, fais-moi voir tous les angles. Oh mon Dieu. Quoi? Putain, ça va? Oh, j'ai besoin d'un verre. Je pense que toi aussi. Tu lis dans mes pensées. Turtle? Turtle. Mes pouvoirs ne dureront peut-être pas. T'inquiète pas. Nous, oui. Chloé! T'es morte? Oh oui? Non, je veux dire non. Pas morte. Je réfléchissais. Alors, un Cosmo pour Max. Un shot de vodka pour sa fille. Ça vous correspond plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup, Amanda. Mais c'est vraiment joli aujourd'hui. Ah bon, tu trouves? J'ai changé de shampoing. Mais je suis pas encore convaincue. Et t'as un truc de prévu après? Si Dieu existe et qu'il est juste et bon, dormir. J'ai eu une journée de ouf. Ah. Bon. Faites beau rêve. T'as bien vu qu'être draguée? Qui? Amanda, tu t'en es pas rendu compte? Oh. Non. La drague, c'est un langage étranger pour moi. T'as passé des années sur les routes à faire des rencontres tous les jours et tu sais pas quand tu plais à quelqu'un? Eh ben non! Y a pas énormément de prétendants dans les bâtisses abandonnées. Ça a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que t'as en photo dans ton portefeuille? Attends, t'as fouillé dans mon portefeuille? Ne change pas de sujet, la fille aux cheveux bleus. Y a quoi entre vous? C'est une... une vieille amie. Ça remonte à l'enfance. Vous deviez être vraiment bonnes amies pour que t'aies encore une photo d'elle sur toi. Arrête de faire de la psychologie de comptoir avec moi. On change de sujet. Non, pas question. Tu parles jamais de toi. Est-ce que ça te tuerait de t'ouvrir un tout petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. En dernière année. Oh. Merde. Non, t'inquiète, ça va. C'était il y a longtemps. Tu veux qu'on parle d'autre chose? Oh, oui. D'accord. Amanda, qu'est-ce que t'en penses? En fait, je fais peut-être partie d'une minorité, mais c'est pas mon genre. Elle est super cool, par contre. Max, tu passes ton temps à dire que tu te sens déracinée. Te faire une nouvelle amie, ce serait un bon moyen de commencer à prendre racine. Va lui parler. Mais de quoi? Je sais même pas de quoi parlent les gens normaux. Du prix de l'essence? Mais on vise un peu plus haut. Regarde autour de toi. C'est elle qui a choisi la moitié de la déco. Découvre ce qui lui plaît. Ok. Allez. Après tout, pourquoi pas?
C'est parti. Oh. Mode normal activé. De trouver des éléments qu'Amanda aime et lui en parler. Je peux le faire. Je peux plus le blairer. C'est pas la première fois que j'entends ça. Oui, mais là je le pense. Je suis à deux doigts. Quoi ? Mais non, c'est impossible que ce soit censé être comme ça. Super, Diamond. Bravo. C'est pas vrai. La soupe de la semaine dépend de mon vote. De trouver des éléments qu'Amanda aime et lui en parler. Je peux le faire. J'ai jamais pu résister à une bonne légumineuse. On ne peut qu'aimer une œuvre qui parvient à rendre un arbre enneigé, cosy. Ah non, ça va pas du tout, ça. Oh là là, ils sont vraiment magnifiques. Calédon n'a pas le monopole du génie artistique à Lakeport, on dirait. J'aime les gens qui suivent leurs convictions autant que n'importe qui. Mais là, je saisis pas. Les groupes qui se produisent ici ne sont pas connus, mais qu'ils ont du cœur. Je suis pas sûre que ce soit un compliment. Tout ici semble avoir été choisi par Amanda. De la bonne bière, une belle éthique. Que demander de plus ?
oui. Les signes caractéristiques d'une nuit blanche à 10 cafés. Si j'en crois le mot d'Amanda, la position de ce tableau ne correspond pas à la vision de l'artiste. Amanda recommande Misery Cult, hein? Ça peut me servir. Je suis pas encore prête à tenir une vraie conversation. À la voir, on dirait que c'est facile de tenir un pub. Je suis certaine que je trouverais plus de sujets de conversation avec Amanda si j'examinais les lieux. Oh là là, j'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer. Je pense avoir ce qu'il faut pour briser la glace. Mais ça ne fera pas de mal d'avoir plus de sujets de conversation ou de disquettes pour son tableau. Amanda doit savoir quelle bière est vraiment bonne. Je pourrais lui poser la question. Je pense avoir ce qu'il faut pour briser la glace. Mais ça ne fera pas de mal d'avoir plus de sujets de conversation ou de disquettes pour son tableau. Grosse soirée. Oh, Julie s'est fait porter pâle. J'ai pas pu prendre une seule pause depuis le début du service, ma vessie va exploser. Vas-y, va faire pipi. On pourra discuter après. C'est une idée merveilleuse. Surtout, ne bouge pas. Reggie, c'est le troisième verre que tu casses cette semaine. Je m'en occupe. Va aux toilettes. Vite. T'es un vrai petit ange, toi. Je t'en dois une. Dégage de là, le première année. Reggie a de la chance que je l'oblige pas à ramasser les bouts de verre. Petit sondage. Vous connaissez de bonnes disquettes ? Euh...
Il y a plein de calories dans ta conso. Je connais un super moyen de les brûler. Trop à l'ancienne. Tellement gênant, mais classique. Ça peut peut-être m'aider à finir sur le tableau. Mercure doit rétrograder. Venez ici, mes petits amis coupants. On travaille au noir ? Hé, la photographie, c'est un secteur difficile. Qu'est-ce qui vous amène aux Turtles ce soir ? Notre chef intrépide nous a mis de corvée. Ah, c'est vrai. Ça doit être palpitant d'être dans une société secrète. Ouais, super palpitant. Rejoignez Abraxas et vous aussi, vous pourrez devenir un artiste de prestige. Et coller des affiches pour la fête de Vine. Normalement, c'est pour les premières années. Mais pourquoi les gens veulent en faire partie alors ? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas est de ne pas faire partie d'Abraxas. Si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage et l'adoration de Vin Lang, son président. Ça a l'air... pas cool. Eh ben... bonne chance, vous deux. Ma vessie te remercie. Dis-lui que c'était avec plaisir. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire avant tout ça ? Je dois absolument savoir ce que c'est, toutes ces disquettes. Avec mon pote Henri, on était les têtes d'affiche d'une soirée stand-up. Sérieux ? T'es humoriste ? Comment ça se fait que je l'apprenne que maintenant ? Pardon, pardon. J'écoute et je me tais. Continue, s'il te plaît. Pendant tout le trajet, il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer, simplement pour me mettre mal à l'aise. Des trucs de beauf. Bref, c'est devenu une compétition que j'ai gagnée. Personne ne connaît de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne. Et alors, la compétition est devenue un tableau ? Alors, tu te lances ? C'est quoi ta meilleure disquette ? Je connais un bon moyen de brûler les calories de ta conso. C'est assez sexy d'entendre une phrase de beauf dans la bouche d'une jolie fille, mais ça vaudra pas une place au tableau. Alors, comme ça, t'es fan de Misery Cult ? Carrément ! C'est trop cool que tu les connaisses. Non, désolée, j'en avais jamais entendu parler avant de lire ton avis sur le tableau. Ah, c'est vrai, j'oubliais que t'étais pas de l'Ekport. Alors, dis-moi tout, je veux savoir. Misery Cult a été le premier groupe de l'Ekport à avoir percé. Ils ont un peu fondé la scène musicale du coin. Qu'est-ce que t'entends par « avoir percé » exactement ? Je veux dire, ils sont diffusés sur les radios des facs jusqu'au New Hampshire, donc ouais, ils ont percé. Tant
T'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le goût de la bière? Le cidre Endelbar. C'est ce que j'ai de plus max en pression. Comment tu as... Connaître mes habitués fait partie du métier. Je suis l'œil qui voit tout, de Lakeport, Vermont. Tu commences à parler comme les membres d'Abraxas. Cette société secrète de Petit Bourges? Attention à ce que tu dis, toi. Sinon, je me disais... Qu'on devrait se faire un truc toutes les deux sur Lakeport un de ces jours. Tu pourrais me faire découvrir la scène musicale? Oh, mais grave. Il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir. Rien qu'avec leur nom, ça me donne envie de les connaître. Au fait, je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, aucune pression, t'inquiète. Mais, est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis ? Moi, je serais plus pour de l'amical. Cool. D'où ma question. Un truc entre amis. Bravo, Max. T'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société. Alors, comment tu te sens? J'en sais rien. Les 10 dernières minutes sont très floues, mais... Amanda est super cool. Oh, Moses. Salut. Alors, ce shooting? On a failli y rester. On n'a pas du tout failli y rester. Non, parce que je nous ai sauvés. J'attends ma médaille. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est encore tôt. On devrait faire quelque chose. Rien que tous les trois. Il y a une pluie de météores ce soir. Je l'étudie pour mes recherches. Mais ça peut être sympa à plusieurs. Alors venez, toutes les deux. C'est parfait. Il nous manque juste... Je reviens. Elle est bien au taquet ce soir. Elle est comme ça quand elle est de bonne humeur. Cadeau de Madame la Présidente, ma chère maman. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue. On y va? Vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir? Un paquet de petits éclats d'astéroïdes. Qui ont voyagé 18 millions de kilomètres. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté? Waouh! Et donc, il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la Terre? Non, pas de notre vivant. Et puis, il se désintégrerait avant d'atteindre la surface. Ok, Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je dois absolument immortaliser tout ça. Imagine comment ça serait cool d'avoir un reportage photo de l'apocalypse. Oh non, tu vas pas recommencer. Personne ne les verrait. Je te l'ai déjà dit, l'art nécessite un public. Autrement, c'est que... D'accord, c'est bon. Pas besoin d'en rajouter. Murph, on t'entend plus. T'as pas d'avis? Oh, je vous écoutais pas. Mais on dirait que mon équipement fonctionne. Pourquoi je suis pas chez moi, enroulée dans une couverture comme un burrito? Parce que même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire, tu es adorable et tu aimes tellement passer du temps avec nous. Oh. Ah, au fait, j'ai apporté des mugs. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille. T'as rien trouvé de mieux? Je travaille pas ici, moi. J'y suis pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris. Moi, c'est...
La mamie la plus chaudasse du monde. Prends un mug. Tant qu'à faire, autant assumer. J'ai une grande nouvelle, très grande même, mais je peux pas vous en parler. Tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait. Que de mystère. Bon, quoi qu'on fête, je crois que c'est le moment de prendre un selfie. Oh, je le prends, j'ai mon nouvel appareil photo et je compte bien m'en servir. Qu'est-ce qu'on dit ? Merde, je crois que je suis en hypothermie. Moses est en hypothermie. Je crois que ça arrive. Je vais... vous savez... faire mon truc. Une grande nouvelle, hein. Vous deux et vos secrets. J'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez. J'ai trop envie de connaître la grande nouvelle de sa fille. Peut-être que je peux lui tirer les vers du nez. Moses, t'es sûr que t'as pas du tout envie de connaître la grande nouvelle de sa fille ? Ok. J'ai peut-être une idée. Mais on peut pas faire machine arrière, si on se lance là-dedans. D'accord. Donne ça à sa fille, si tu peux. Tu devras sûrement ruser pour qu'elle la prenne ou la planquer sur elle. Comme un canular ? Non. Il y a des règles. C'est plus comme un jeu. La personne qui a la capsule doit faire tout ce que tu lui dis, enfin... dans les limites du raisonnable. Moses, jamais de toute ma vie, je n'ai eu autant envie de jouer à un jeu. Parle pas trop vite. Sa fille a une interprétation très large des limites du raisonnable. Et elle se vengera sur toi. Ok. Souhaite-moi bonne chance. Et ne fais rien que je ne ferai pas. Oh, par exemple, aller parler à quelqu'un qui a un gros crush sur moi ? Alors d'abord, comment oses-tu ? Et ensuite, oui, exactement. Bon, comment je vais faire pour le planquer sur sa fille ? Sa fille en mange lorsqu'elle peut pas s'éclipser pour fumer. Rien de suspect du tout à ce que je lui en propose un, et que je lui refile une capsule à la place. Je dois cacher cette capsule à un endroit que sa fille ne soupçonnera pas. Plus qu'à le cacher sur sa fille. Dis, sa fille,
Mm-hmm. T'as de l'inspiration pour un poème ? La lune, plus ou moins. Mais ça n'a rien d'original. Carl Sandburg disait « C'est une amie à qui parler pour les solitaires ». C'est joli. J'avais jamais vu la lune aussi brillante en dehors de l'Oregon. Ouh, un élément biographique de Max. Plutôt rare. T'as jamais vraiment expliqué pourquoi t'étais venue ici. Tu le sais déjà. Je me noyais en tant que freelance, et ta mère m'a gentiment sortie de là. Un de ces jours, Max Caulfield, je découvrirai ce que tu fuis. Je te le promets. Tu veux des bonbons ? Il en reste un peu. Bon, j'ai pas le choix. Oh, merde, c'est un vrai complot. Sois sympa, Max. Tu sais mieux que quiconque qu'une fille a le droit de garder des secrets. Et rompre l'engagement sacré de la capsule ? Jamais ! Tu sais que tu vas pas t'en sortir comme ça. Moins de menaces, plus d'explications. Bon. Alors, en fait, j'ai rassemblé quelques-uns de mes poèmes pour les présenter, ok ? Un peu comme un recueil. Et un éditeur m'a fait une proposition. C'est vrai ? Oh putain, c'est génial, sa fille ! Félicitations ! Merci. J'ai encore rien signé, donc je veux garder le secret jusqu'à ce que tous les papiers soient faits. Bien compris. Je serai muette comme une carpe. Oh. Oh putain. Allô ? C'est sa fille. Oui, Safia Llewellyn Fayad. C'est bien moi. Je reviens tout de suite. Alors, tu prendrais vraiment des photos de la fin du monde ? Bien sûr, réfléchis un peu. Je photographie des bâtiments vides. Alors une planète vide ? C'est le niveau ultime. D'accord. Mais comme sa fille l'a dit, personne ne pourra jamais les voir. C'est pas forcément vrai. Peut-être que des extraterrestres vont finir par tomber dessus. Ou que ton appareil sera vénéré par les mutants irradiés survivants. Exactement, t'as tout compris. On sait jamais qui restera une fois que les choses se seront tassées. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est beau. Moses avait raison. C'est magnifique. Ça va ? Oui, ça va. Un peu la tête qui tourne. Ça doit être le champagne. Je crois que je vais rentrer. Me reposer. Je peux te ramener si tu attends quelques minutes. Non, c'est gentil. Je vais marcher, je vais prendre l'air. Mais merci.
suis contente que Moses m'ait invitée ce soir. Exactly how you came into my life at all. Seems you always. Le campus de Calédon est classe, mais il est encore plus beau sous la neige. Just waiting to suddenly appear. Call me crazy, but I know that's everything I know. Call the ending. Promise this is what you want. What if I'm dreaming? Please don't. C'est une soirée idéale pour rentrer à pied. Je retrouverai sa fille demain. Le père de l'astronomie moderne devrait apprécier mes blagues de daron à leur juste valeur. Sa fille a enchaîné les cigarettes. Je me demande ce que c'était ce coup de fil. La vache, sa fille. Qu'est-ce qui t'a fait, ce bonhomme de neige ? Alors c'est toi qui nous laisse des bouts d'écureuil partout sur le campus. On dirait que quelqu'un a perdu un instantané. Pas mal. Mais qui y a mis la capsule et qui a pris la photo ? J'ai pas souvent l'occasion de prendre une photo pareille. Wow. Tu me tiens vraiment à l'œil, hein? Max ? Hey ! Hey, est-ce que ça va ? Il se passe quelque chose. Sa fille. Hey ! Reviens ! Voilà sa fille. Ça a l'air d'aller. Mais je ferais mieux d'aller la voir quand même. Pour être sûre. Non ! Accroche-toi à sa fille ! Sa fille n'a rien. L'espace d'un instant, j'ai cru. Sa fille ? Sa fille ? Hé ! Est-ce que ça va ? Oh.
PlayStation.